Des milliards de volés, des tests faussés et Joe Biden manipulé, Theranos, considéré comme la plus grosse arnaque sanitaire de la décennie, fut pourtant un empire valorisé à 10 milliards de dollars à son pic. Dans cette vidéo, nous vous présentons les 4 faits terrifiants de l'entreprise et ses conséquences inédites. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 4 des faits terrifiants sur Theranos. Le premier va vous bluffer. 4. La Steve Jobs du médical. Elizabeth Holmes, née en 1984, a fondé l'entreprise américaine Theranos, spécialisée dans les services médicaux. Son père était un grand homme d'affaires. Il était notamment le vice-président d'Enron avant que le scandale pousse l'entreprise à faire faillite en 2001. Son influence a certainement joué sur la vie professionnelle d'Elizabeth. Elizabeth était une étudiante brillante. Elle entre en 2002 à l'université de Stanford et termine major de sa promotion. Un an après, elle abandonne ses études afin de révolutionner le monde médical. Elle dépose tout d'abord un brevet pour un appareil de suivi et de dosage de médicaments pouvant être intégré à un téléphone portable. Elle a créé l'entreprise Theranos qui fut très vite un succès international et très médiatisé. Pourtant, tout ceci n'était qu'une énorme fraude. L'entreprise allait, selon tous les médias, changer le monde, permettre de faire des tests sanguins extrêmement complets en minimisant les coûts et la durée de l'obtention des résultats. Elizabeth était au sommet du monde du haut de ses 20 ans. Elle était une personnalité publique dont tout le monde parlait. Le magazine Forbes, ainsi que Fortune et Business Week, la comparent à Steve Jobs dès 2014. Elle faisait la une de journaux d'affaires et passait sur la télé très régulièrement pour communiquer sur ses avancées technologiques. Elle était une prodige et une visionnaire. L'ancien président américain Bill Clinton l'a présentée comme la femme qui allait changer le monde. Joe Biden, alors vice-président, l'a présentée comme une visionnaire et une femme indispensable pour le monde du médical. En 2015, le magazine Forbes, qui classe chaque année les plus grosses fortunes du monde, l'a classée 121e. Elle était la plus jeune milliardaire à ne pas avoir hérité de sa fortune. Sa fortune personnelle s'élevait à 4,5 milliards de dollars. Pour atteindre de tels sommets, elle avait tout préparé. Elle séduisait énormément les investisseurs et les médias en évoquant notamment ses motivations. Elle avait été terrifiée par la mort subite de son oncle. Il n'avait pas été diagnostiqué et Elizabeth voulait faire en sorte que de tels accidents n'arrivent plus. Son sentiment d'impuissance l'avait mise en colère et son entreprise pouvait maintenant effectuer des diagnostics plus rapides et moins chers. Elle avait aussi façonné une image d'elle pour la rendre plus crédible face aux investisseurs, aux politiques et au grand public. Elizabeth avait un look à la Steve Jobs. Elle portait des habits très similaires et s'exprimait de la même façon. Elle modifiait le ton de sa voix devant les caméras afin de paraître plus sûre d'elle. Ses multiples apparitions en public étaient suivies par des experts de la communication et des relations publiques afin d'optimiser ses chances pour convaincre le grand public d'utiliser ses produits. Toute cette stratégie avait été imaginée par elle ainsi que son comité de direction. Ses premiers employés comptaient un ingénieur de chimie professeur à Stanford, George Shultz, un ancien ministre des États-Unis, des sénateurs américains et d'autres investisseurs connus dans le monde entier. Elle était très proche de Ramesh Soni Balwani, un millionnaire dirigeant d'entreprise. Elle avait aussi levé $1 milliard auprès d'anciens ministres des États-Unis et de richissimes investisseurs lui donnant une crédibilité immense et un réseau professionnel inimaginable. Elle avait vraiment tout pour réussir. Sauf que son histoire est devenue la plus grosse arnaque sanitaire de la décennie. 3. La plus grosse arnaque sanitaire de la décennie. Theranos était censé avoir développé une technologie totalement innovante pouvant révolutionner le monde médical. Les tests sanguins allaient être peu coûteux et encore plus fiables que tous les organismes déjà présents sur le marché. Elizabeth était devenue la femme la plus influente de la Silicon Valley en seulement une dizaine d'années. Mais toute cette folie s'avère être une immense arnaque. Elizabeth avait manipulé pendant des années les résultats de son entreprise. Tout d'abord, elle manipulait ses investisseurs. Elle les persuadait qu'en lui faisant confiance, ils allaient changer le monde. Ensuite, elle ne se comportait pas mieux avec ses salariés. Par exemple, Tyler Schultz, un des premiers à avoir adhéré au projet, raconte son histoire qui fait froid dans le dos. Elizabeth lui avait fait comprendre qu'il pouvait lui faire confiance alors qu'aucun résultat n'était encore visible. Il travaillait avec les prototypes chaque jour et à chaque fois, les tests étaient défaillants. Elizabeth mettait une pression de fou sur ses employés pour sortir les produits à temps. Autre exemple, en 2011, elle fit une déclaration à ses employés leur disant de partir s'ils n'étaient pas persuadés que les produits fonctionnaient et s'ils ne voulaient pas changer le monde avec elle. Motiver ses équipes est une chose saine, mais Elizabeth les menaçait constamment et les poussait à bout. Enfin, elle manipulait les partenaires de Theranos.
Alors qu'aucun produit n'est fiable, la machine s'appelait Edison. Elle pouvait faire, selon Theranos, un diagnostic complet avec seulement une goutte de sang prise au bout du doigt en seulement quelques secondes. Le groupe de supermarchés Safeway a investi 350 millions de dollars pour intégrer les machines de Theranos dans 800 de ses magasins en 2012. L'année suivante, l'entreprise Walgreens et Pfizer collaborent avec Theranos pour vendre les machines. 2. Un scandale à 10 milliards de dollars. Les machines Theranos n'étaient en fait qu'un scandale depuis des années. Les machines ne fonctionnaient pas comme le prétendait Elizabeth Holmes. Pendant des années, Theranos devait pouvoir réaliser des tests sanguins avec quelques gouttes de sang, mais ceci n'était qu'un gros mirage. L'entreprise avait levé 700 millions de dollars grâce aux promesses de Elizabeth et l'entreprise fut valorisée à plus de 10 milliards de dollars en 2015. Mais alors que tout semblait bien se passer de l'extérieur, une enquête faite par le Wall Street Journal fait chavirer la situation en octobre 2015. Le journaliste John Correiro révèle que Theranos n'effectue pas ses tests avec sa propre technologie depuis des années et masque les incohérences de ses tests. L'administration américaine a rapidement ouvert des enquêtes pour confirmer les faits. Plusieurs experts exprimaient leur scepticisme à propos de la technologie de Theranos, qui n'avait pas été évaluée par des panels d'experts indépendants. Aucune revue scientifique n'a prouvé la technologie de Theranos, et aucune preuve montrait la fiabilité des résultats de l'entreprise. Des employés de Theranos commençaient à dire que les procédures de l'entreprise étaient douteuses et que le déni d'Elizabeth concernant les faits était dangereux. Suite à ces révélations, plusieurs contrats avec Theranos ont pris fin. Les médias commencèrent alors à exprimer l'hypothèse que l'entreprise était construite sur une escroquerie sans précédent. Elizabeth continue à vanter les exploits de l'entreprise, tout en rejetant toute forme de reproche faite par ses salariés. Les employés étaient menacés lorsqu'ils parlaient des problèmes que rencontrait l'entreprise. Ils ne pouvaient pas évoquer non plus les résultats des tests truqués et les fausses machines vendues aux quatre coins des États-Unis. Un professeur de Stanford, John Ioannidis, écrit en février 2015 dans une revue scientifique qu'aucune étude scientifique confirme les exploits de Theranos. Un professeur de l'Université de Toronto analyse en mai 2015 les résultats de Theranos pour conclure que les histoires racontées par Elizabeth ne sont pas prouvées du tout et que l'entreprise a exagéré en disant que sa technologie était en train de changer le monde de la médecine. Pour contrer ces critiques qui devenaient des menaces, Elizabeth se tourne vers Joe Biden, vice-président, afin de protéger la réputation de l'entreprise. Sauf qu'avant la visite des lieux du vice-président, Elizabeth et Balwani falsifient les données et créent de toutes pièces une fausse machine d'analyse de sang. C'est alors que des enquêtes toujours plus nombreuses concluent que Theranos est une escroquerie. Le CMS, qui est l'agence qui administre les programmes médicaux aux États-Unis, constate en janvier 2016 que Theranos est un danger immédiat pour la santé et la sécurité des patients. Une armée d'avocats se livre une bataille en quelques mois afin de trancher sur la fiabilité de Theranos. Le verdict tombe en 2016. Theranos est bel et bien une escroquerie. En octobre 2016, Elizabeth indique que l'entreprise va fermer ses laboratoires et que ses 340 employés sont licenciés. 1. Le procès qui a transformé la Silicon Valley. L'affaire va rentrer dans les annales de l'histoire juridique des États-Unis. Il est très rare qu'un PDG de la Silicon Valley soit inculpé. Mais après des mois de procès, Elizabeth est reconnue coupable. Le tribunal de San José, en Californie, reconnaît Elizabeth coupable de complot visant à escroquer des investisseurs et d'avoir menti entre 2010 et 2015 sur la fiabilité de la technologie de test sanguin. La sentence est tombée le 3 janvier 2022. Ce procès a transformé la Silicon Valley. Tout d'abord, de nombreux investisseurs se sont retrouvés avec des millions de pertes après avoir rencontré Elizabeth qui assurait la fiabilité de ses machines. Selon les procureurs, ces fameuses machines étaient en réalité des machines produites par l'entreprise Siemens. Selon un procureur nommé Jeff Schenck, Elizabeth Holmes a choisi la fraude plutôt que la faillite. Elle a choisi d'être malhonnête. Ce choix était non seulement impitoyable, mais encore criminel. Cette arnaque fut rapidement transformée en procès de la Silicon Valley. La Valley est accusée de parier sur des entreprises qui se présentent comme des révolutionnaires, mais qui n'ont aucune preuve de leur capacité à suivre leurs engagements. Les conséquences de cette fraude sont innombrables. De nombreux patients ont reçu de faux diagnostics avec parfois des conséquences graves comme la non-détection du sida, d'un cancer, d'une mauvaise information concernant leur grossesse, etc. Malheureusement, c'est vrai que de nombreuses personnes ont fraudé pour ensuite lever des milliards malgré des promesses non tenues. Nous pouvons prendre l'exemple d'Adam Neumann avec WeWork. Le système a des failles, mais la Silicon Valley s'est retrouvée particulièrement ciblée par les médias suite au scandale de Theranos. Depuis, de nombreuses mesures ont été prises, mais éviter toute fraude concernant les startups est impossible. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 4 des faits terrifiants sur Theranos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. À bientôt!